herausgefunden. Dann die Connectorte und der Koppenkühlung. Wunderbar!
YouTube now. Ça veut dire qu'on le perdrait sur le thème de jeu. Thank you.
Tu mets là? Bonjour et bienvenue sur Theme Park Wanderer. Aujourd'hui nous sommes à Toverland, en Hollande. Alors Toverland c'est un parc qui est assez jeune, qui existe depuis 2001. C'est un parc qui à la base était un parc uniquement d'intérieur. Et petit à petit au fil des années ils ont commencé à construire un peu en extérieur. Et surtout ce qu'ils ont commencé à faire c'est des attractions très originales. Des choses qu'on ne trouve pas forcément dans la région. Donc c'était ma première fois ici à Toverland. C'est très bien pour les enfants, pour les petits-enfants, c'est très très bien, c'est très chouette. Il y a beaucoup de petites attractions, vous avez vu sur la vidéo, hein, il y a toute une série de... Il y a un coaster à l'intérieur, il y a des bûches, il y a toute une série de petits carousels à l'intérieur. Et à l'extérieur, ben, on retrouve en fait des attractions qui sont adaptées aux enfants, mais qui sont aussi très agréables pour les adultes et très originales. On voit le bike coaster, hein, on est sur des espèces de motos et on est projeté, propulsé comme ça, accroché à une moto. On a le coaster en bois, le 3 qui est vraiment chouette, qui est très rapide et très agréable. On a le spin coaster, donc le coaster qui tourne, hein, qui est un des meilleurs que j'ai jamais fait, franchement il est vraiment super. On a un parc qui est très propre, très agréable, avec des attractions très originales et au niveau des thématisations et tout ça on a quelque chose de vraiment très sympa. Bon, on n'est pas au niveau d'un Fantasia Land c'est sûr, mais pour chaque attraction, chaque coaster a son petit thème à lui, chaque wagon est sonorisé avec une petite musique qui démarre quand vous partez, etc. Bon, dans chaque attraction c'est très chouette, c'est très agréable, ça vous met bien dans l'ambiance, c'est très joli. De plus, comme vous avez pu voir dans la vidéo, ben, je vous montre aussi les travaux. Pourquoi ? Parce que c'est un parc d'attractions auquel je crois énormément dans l'avenir. Parce qu'ils ont beaucoup d'idées, de très bonnes idées. Et ils ont annoncé déjà l'année prochaine qu'ils allaient construire une nouvelle attraction d'eau. Et surtout un wing coaster.
Donc, c'est-à-dire un coaster où les nacelles sont déportées par rapport au rail. Et ça, dans le milieu de l'Europe, il n'y en a pas beaucoup. Il faut aller au nord de l'Allemagne pour en trouver. Donc c'est déjà très original et très sympa d'avoir pensé à faire ce genre d'attraction ici. Donc moi, c'est un parc auquel je crois. Je pense que c'est un parc qui, dans les années à venir, va devenir très célèbre et très fréquenté. C'est un parc que je vous invite à découvrir, très sincèrement. Maintenant, pour l'instant, il est certain que s'il n'y a pas beaucoup de monde, dans 4 heures, il est fait. S'il y a beaucoup de monde, ben, ça vous prendra la journée, mais il est assez vite fait. Hein. Il n'y a pas énormément d'attractions. Mais les attractions qui sont là sont très sympas, très agréables, très originales. Toute une petite spécificité. Je vois ici devant moi le flume, donc les bûches. Vous avez des retournements qui se font avec des plateformes rotatives. Le bike coaster, comme je vous ai dit, où vous êtes vraiment tenu dans le dos, et vraiment en position motard pour faire le coaster. Donc voilà, beaucoup d'originalité, beaucoup de soins aux attractions. Et je pense qu'avec les constructions de l'année prochaine, on va avoir quelque chose de bien. Mais je vous invite déjà à venir voir le parc et à visiter. Niveau nourriture, c'est un parc d'attractions, il n'y a rien à faire. Donc on est assez limité sur des hamburgers, des pizzas. C'est de qualité moyenne, on va pas raconter n'importe quoi non plus. Mais sinon, à part ça, je suis très content de ma visite à Toverland. C'est un parc que je découvre et j'avais un petit peu peur que ce soit trop orienté à enfants. Et finalement, non, on s'est vraiment bien amusé avec toutes les attractions qui étaient vraiment adaptées et pour enfants et pour adultes. Donc, assez chouette. Une très bonne journée et vraiment très agréable. Pour la suite, je vous invite la semaine prochaine à venir voir notre prochaine vidéo qui sera tournée après-demain au parc Astérix. On aura l'occasion de vous montrer un peu le Pegasus Express hein, qui est la nouvelle attraction, le nouveau coaster d'Astérix. Et de faire un peu un petit tour du parc, ça fait longtemps que je ne suis plus allé, donc on verra un peu ça. Je vous dis à la prochaine fois, ciao ciao! C'est des cendres, fais-moi pas ça. C'est le bout à la caméra. Tu passes sur YouTube. Mais reviens, tu passes sur YouTube. Souris, tu passes sur YouTube. Allez, descends. Ah bah bravo. Bel esprit maternel. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Je suis mort et elle l'a fait exprès.